Bonjour vous tous, bon après-midi. Donc, en fait, une petite introduction à cette activité spéciale. En fait, AGA virtuelle, c'est pas toujours évident, on est après dîner. Comment essayer de stimuler la discussion, les échanges? Donc, on a cru bon organiser un panel autour de la question de nos annonces qu'on a faites en fait en décembre, janvier dernier, concernant le besoin d'entraide pour 2080. On a pensé rêver un peu. Donc, rêvons avec des intervenants du milieu. Donc, ceci étant dit, en guise d'introduction, quelques petites diapositives pour mettre le contexte. Donc, allons-y avec la présentation. Donc, voilà. Donc, on a annoncé qu'on avait besoin de 168 millions d'entailles en 2080. Alors, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est que doit-on mettre en place pour atteindre cet objectif? Pour atteindre cet objectif-là, on va demander à plusieurs spécialistes. Mais avant toute chose, mettons les chiffres en perspective. Le Québec, c'est quoi? C'est 73 % de la production mondiale. 18 % des entailles sont en terre publique à l'heure actuelle, 82 % en terre privée. Par contre, les entailles en terre publique, c'est seulement 8 % des entreprises, mais 18 % des entailles. Donc, on voit que les entreprises en terre publique sont en général plus grandes. Forcément, la tenure terre publique, c'est souvent des plus grands massifs forestiers. Donc, il est plus facile souvent d'y installer une érablière de plus grande taille. Ceci étant dit, ces érables-là produisent bon an mal an beaucoup de sirop et les ventes sont très fortes. Vous reconnaissez le tableau ici des ventes de l'agence depuis 2010. Il y a peu de secteurs d'activité économique qui peuvent se vanter d'avoir une belle progression. On parle de 146 millions de livres l'année passée et possiblement plus cette année. Ce sirop-là est exporté, comme on peut le voir dans la prochaine diapo, ces exportations depuis 2004, où il y a eu une légère baisse quand il y a eu les problèmes aux États-Unis d'économie. En 2008-2009, mais par la suite, on est dans l'augmentation d'exportation de façon linéaire. Et l'année passée, bon, effet COVID, plus 21 % d'exportation. Alors qu'en bleu en bas, vous voyez, c'est les exportations américaines. Donc, elles stagnent bon an, mal an. Essentiellement, eux, elles cherchent à auto-alimenter leur marché intérieur. Donc, le reste de la planète appartient aux producteurs et productrices et aux transformateurs et embouteilleurs du Québec qui, eux, exportent dans, donc, 60 pays. Donc, ces exportations-là de sirop d'érable nous amènent avec un besoin d'entraide. Donc, quel est-il ce besoin-là? Donc, d'abord, faisons le portrait du passé. En 2000, il n'y a pas si longtemps, on avait 32 millions effectifs. On aurait eu trois phases d'augmentation des entailles, plus 6 en 2007, plus 6 en 2010, 2008-10 et un plus 5 millions d'entailles en 2016. En 2080, si on se projette, vous allez voir dans la prochaine diapo le graphique, mais en gros, on a besoin de 120 millions d'entailles supplémentaires. Pourquoi? Parce que le besoin est en augmentation. Et ces entailles-là, on fait le calcul suivant. 30 % de ces nouvelles entailles-là devront être en terre publique et 70 % privées. Donc, il y aura une augmentation des entailles en terre publique. On est à 18 à l'heure actuelle, mais on pense qu'une partie du départ futur va particulièrement être en terre publique parce que c'est là qu'il y a une grosse réserve d'entailles résiduelles non exploitées à l'heure actuelle. Donc, en graphique, que représente notre 168 millions d'entailles? On va le voir dans la prochaine diapo. Voici, c'est ça la projection de demande d'entailles. Donc, si vous voyez entre 2000 et 2020, 21, c'est le réel. Donc, vous voyez, on est passé de 33 à 49 millions d'entailles. Mais par la suite, on avait regardé plusieurs scénarios. Il y avait quatre scénarios qui étaient regardés. Et ça, c'est le scénario numéro 3. Et pourquoi cette courbe-là? En fait, c'est que l'augmentation de la production des dernières années a été fulgurante. Mais en termes d'entailles aussi, il y a eu des ajouts, mais la productivité par entaille a aussi augmenté. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, on avait 2 livres, 2 livres et quart par entaille, c'était un peu notre moyenne. Aujourd'hui, c'est pas rare que des producteurs font en haut de 3, voire 4 livres, 5 livres par entaille. Donc, le besoin en entaille supplémentaire, cette augmentation-là de livres à l'entaille risque de plafonner parce qu'on ne peut pas atteindre 20, 25 livres à l'entaille. Donc, le besoin en sirop supplémentaire va se traduire par un besoin en entailles supplémentaires par rapport au futur. Alors, d'où l'objectif d'en ajouter bon an, mal an de 2 à 2,2 millions par année de façon constante à partir des prochaines années. Donc, d'où notre objectif de 168,8 en 2080. Soit dit en passant, ce chiffre-là est à réviser aux 10 ans en fonction forcément de la réalité du marché. C'est bien de se projeter dans 60 ans, mais on doit réajuster le tir à tous les 10 ans. Donc, ceci étant dit, comment atteindre cet objectif-là? Comment doit-on se préparer? Donc, à cet effet-là, on a cru bon inviter quatre spécialistes autour de la table aujourd'hui. Et à titre d'animateur de ce panel-là, nous avons requis l'expertise de M. Jacques Tremblay, qui est ingénieur forestier.
Donc, je le présente rapidement. Monsieur Tremblay, en fait, a une longue feuille de route en tant qu'ingénieur forestier. Après avoir fait carrière dans la fonction publique, parti au ministère Forêt Fonds de Parc, il a pris sa retraite, jeune retraite en 2012. Et depuis toujours, il s'est un passionné de la forêt, passionné particulièrement de la sylviculture. Et depuis 2020, l'année passée, en fait, il agit à titre de consultant pour nous. Il s'occupe particulièrement des dossiers reliés aux érablières situées en terre publique. Il est en appui, en fait, aux régions à cet effet-là. Donc, dans le cadre de l'activité de panel aujourd'hui, il a accepté d'être notre animateur. Donc, je lui cède la parole tout de suite. Donc, Jacques, à toi. Merci Simon. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'atelier. Alors, je pense que Simon a bien mis la table là, sur ce qui est prévisible, ce qui est prévu dans les 60 prochaines années. Dans le fond, on a cinq panélistes. Cinq panélistes. Le premier, ça va être Monsieur Louis Turenne, qui est directeur général de la corporation Maple Tree. Monsieur Turenne, va nous parler beaucoup des besoins futurs en agriculture. Notre deuxième invité sera Monsieur Jeannot Beaulieu, qui vient du Bas-Saint-Laurent, qui est un producteur acéricole de cette région-là. Donc, on va voir un peu avec lui le côté d'un producteur. Troisième panéliste, c'est Madame André Gagnon, ingénieure forestière du Club acéricole des Pays d'en haut. Suivi de Monsieur Christian Messier, qui est un ingénieur forestier également, qui est directeur général là, de l'ISFOR, l'Institut des sciences de la forêt des régions tempérées, qui sera le quatrième panéliste, et finalement Monsieur Jean-Pierre Saussier, qui est le directeur de la recherche forestière au ministère de la Faune. Non, excusez, des forêts, de la faune et des parcs. Je ne veux pas faire comme le ministre de l'Agriculture puis parler juste de la faune. Alors, Monsieur Saussier est dans les forêts. Alors, là, je vous explique un peu comment le panel va marcher. En fait, les cinq panélistes ont 6 minutes chacun pour présenter leur vision, puis les opportunités, les contraintes qui sont liées à l'objectif de 180 millions d'entailles sur 60 ans. Et suite à ça, il y aura un échange. Les gens qui participent, là, présentement, les délégués, les participants, peuvent préparer des questions, puis que je transmettrai aux panélistes, là, lors de la période, si on veut, des échanges et des questions. Alors, ça va. Sans plus attendre, on va présenter notre premier panéliste. C'est donc Monsieur Louis Turenne. Monsieur Louis Turenne est détenteur d'un baccalauréat d'administration des affaires de l'Université Laval. Et puis, il œuvre dans la transformation puis dans la vente de sirop d'érable depuis plus de 16 ans. Il a contribué au développement de Décasser de 2005 à 2017 à titre de directeur des ventes. Et depuis février 2020, il agit à titre de directeur général de la Corporation des produits de l'érable, mieux connue sous le nom de Maple Tree Corporation. Alors, Monsieur Turenne, la parole est à vous. Oui, Monsieur Tremblay, bonjour. Je vais tenter de partager mon écran. Si ça fonctionne. Bon? C'est bon? Oui. OK. Donc, oui, merci, Monsieur Tremblay. Bonjour tout le monde. Alors, Maple Tube, je vais parler un petit peu de 15 secondes, là, qui est la Corporation des produits de l'érable. Je pense qu'on nous connecte bien, mais pour préciser, on est le plus gros acheteur de sirop d'érable au Québec. On a quatre sites, dont un au Bas-Saint-Laurent, le site de Desjely qui opérait sous le nom de Décasser anciennement. Également en Beauce, à Saint-Honoré-de-Chenelée, ce qui était anciennement les produits d'érable du Grand Nord, Granby, et on a aussi une usine au Vermont. On a transformé lors de notre dernière année financière 53 millions de livres de sirop et pour un chiffre d'affaires de plus de 230 millions. On vend sur tous les marchés. 75% de nos ventes sont à l'exportation. On exporte dans 52 pays différents et on couvre tous les secteurs, le détail, la restauration, également la vente en vrac pour les marchés industriels. Alors aujourd'hui, écoutez, c'est une petite présentation. C'est un panel, donc je vais laisser du temps pour les échanges par la suite. Donner un petit peu notre perspective sur les marchés.
Alors, c'est un graphique qui ressemble à celui que Simon a présenté précédemment, mais c'est ce qu'on regarde de notre côté. Nous aussi, c'est l'évolution de la consommation apparente puis de la consommation par habitant. Donc, si on part de 2009 à 2020, on observe qu'il y a vraiment une tendance à la hausse au niveau du sirop d'érable. Et ce qui m'intéresse particulièrement, ce n'est pas les fluctuations annuelles, mais c'est la tendance à long terme ou la croissance annuelle moyenne. Nous, on l'établit environ à 7 %. L'année dernière a été particulière avec la COVID. On se demandait qu'est-ce qui allait arriver avec les ventes, évidemment, lorsque toute la planète s'est mise en confinement. Mais à notre grande surprise, ça a un effet extrêmement positif sur les ventes. Une augmentation de 30-40 % dans les 2 premiers mois, avril et mai dernier. Puis, sur l'année calendaire 2020, 20 % de croissance sur les exportations de sirop d'érable. Donc, ça s'explique probablement par le fait que les gens restent à la maison, ont voyagé moins, ont été moins au restaurant et ont compensé par davantage de dépenses alimentaires discrétionnaires, donc qui est le sirop d'érable. Mais c'est exceptionnel. On ne s'attend pas à ce que ça se maintienne à des niveaux de croissance aussi élevés. Ce n'est pas soutenable. L'autre graphique montre également la consommation par habitant. Ça, je crois que c'est l'élément sur lequel on doit travailler pour contribuer à augmenter la taille de l'assiette. Pour que les gens utilisent plus souvent le sirop d'érable. Donc, ça, c'est pour montrer 2004 à 2020 la croissance annuelle. Donc, on est à 7,5 %. Si on modélise avec le projet pour augmenter à 168 millions d'entailles d'ici 2080, Simon, peut-être que les économistes vont faire des calculs différents, mais moi, je l'évalue, vous avez besoin de 4,1 % de croissance pour y arriver. Si on maintient la croissance des dernières années, ce n'est pas impossible. OK. Maintenant, comment expliquer qu'est-ce que ça prend pour augmenter les marchés? Alors, j'ai eu comme un flash l'autre jour, j'étais à l'épicerie, puis je regardais les étalages d'avocats. Puis, je me disais, qu'est-ce que les Mexicains ont pensé pour augmenter leur vente de leurs produits? Donc, on voit que c'est un produit qui était un produit spécialité par le passé. Maintenant, ils sont disponibles partout, à des prix qui sont compétitifs, la qualité est au rendez-vous. J'ai été également étonné de voir que les avocats du Mexique avaient acheté des bandes au Centre Bell, puis ça, je pense, c'est à Toronto. Mon garçon aussi, qui est un adepte des médias sociaux, mange des avocados toast le matin. J'ai dit, où est-ce qu'il a pris ça? Bien, c'est sur les médias sociaux. Il a vu il a été influencé et il a adopté les avocats dans son alimentation. Alors, est-ce qu'on peut apprendre des Mexicains, peut-être? Parce que si on recule en 91, est-ce que vous aviez des avocats dans votre pain d'épicerie? Je présume que vous en achetez à l'occasion. Mais en 91, ça demeurait un produit de spécialité. C'était, moi, je me souviens, étant plus jeune, avant ça, dans les années 80, ma mère achetait des avocats. Elle faisait toujours la fameuse trempette avec les petits pics là, pour faire un plant d'avocat. Tu sais, ça n'arrivait pas souvent, donc on pouvait garder les plantes de la maison. Mais maintenant, qu'est-ce qui a changé? Donc, ce qu'on veut au niveau du sirop d'érable, ben, c'est que de passer d'un aliment qui est consommé, je parle sur les marchés d'exportation, là, qui est consommé de façon occasionnelle à un aliment qui est intégré dans l'alimentation de tous les jours. Et c'est ce qui permet d'augmenter les ventes de façon durable. Alors, qu'est-ce que ça prend pour ça? Ça prend évidemment de la qualité, il faut que le produit soit constant. Ça prend une bonne distribution, ça prend un accès au marché. Un prix qui est en lien avec le reste du panier d'épicerie, de la promotion, une perception positive. Donc, il faut également faire attention il y a des risques. Le développement durable, les avocats, j'avais peut-être vu dans les journaux, ils sont accusés d'être le nouveau diamant de sang. Donc, c'est les questions de culture là, qui est contestée par les médias ou différents groupes des ONG. La façon dont c'est cueilli, fait pas partie du développement durable. Alors, il faut regarder ça puis apprendre. Puis, au côté du sirop d'érable, je pense qu'on a une opportunité de ce côté-là. Donc, qu'est-ce que je vois au niveau de la facteur de croissance pour le sirop? C'est de l'amener comme un produit tous les jours. Un autre parallèle qu'on peut faire, c'est avec l'huile d'olive, qui était jadis un produit de spécialité vendu dans des épiceries fines, dans des petites bouteilles à 20 $. Puis là, maintenant, on peut en acheter un 4 litres chez Costco ou chez Metro en gros format, bien, les gens en gardent toujours une bouteille à la maison, puis ils ont substitué
d'autres types d'huiles vers l'huile d'olive. Donc, c'est ce qu'on veut devenir sur le marché de l'exportation. Un produit qui est toujours dans le garde-manger. Quand il n'y en a plus, on en achète encore. Et c'est vers là que je pense qu'il faut tendre pour augmenter les ventes de façon durable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des marchés de spécialité. On est présent aussi dans le marché cadeau. Mais ce qui est le gros moteur du volume, c'est le marché de masse. Donc, accès au marché, canaux de distribution performants, multisegments. Du côté américain, petite étude récemment, on a sorti les données de SPINS. C'est comme le AC Nielsen aux États-Unis. La catégorie des sirops à déjeuner et dans tout ce qui est mass market représente des ventes de 900 millions. Le créneau de spécialité, c'est 35 millions. Donc, où est-ce qu'on veut être? Il faut être dans le masse. Également, stabilité dans les prix. Les détaillants et les consommateurs n'acceptent pas des fluctuations brutales de prix. On prend, je ne sais pas si vous avez suivi le prix de la vanille. Récemment, il y a eu des tempêtes à Madagascar, puis ça a créé une rareté. Une petite bouteille de vanille qui était à 8,99 est montée à 30 $. Ben, les gens disent, ah, 30 $, je décroche, je laisse ça sur la tablette. Le sirop d'érable également est très sensible au prix. Il faut... faire attention à ça. Et au niveau de la qualité, ça prend une expérience client positive. Une fois qu'ils ont consommé le produit, que les gens apprécient le goût, apprécient la saveur et le goût de répéter l'expérience. Je pense également, j'ai entendu le discours de Mme la ministre, ouais. Au niveau du développement durable, il y a une opportunité là. C'est une tendance lourde de fond, spécialement avec l'élection américaine, M. Biden. On va le voir de plus en plus. Donc, opportunité au niveau de forestation, carbone neutre, promotion générique audacieuse. Si les avocats du Mexique peuvent s'acheter des bandes au Centre Bell, pourquoi qu'on ne pourrait pas, au niveau de l'érable, faire semblable sur nos marchés spécifiques, marchés prioritaires, pardon. Également, il y a une demande pour les produits qui sont naturels, riches en nutriments. Ça va être une tendance lourde. Je ne crois pas que ça va changer. Alors, il faut continuer à développer la fréquence d'utilisation, pas seulement sur les crêpes, l'intégrer dans l'alimentation de tous les jours. Puis, je pense qu'on peut y arriver avec atteindre l'objectif. Merci, M. Turenne. Alors, notre prochain panéliste, c'est M. Jeannot Beaulieu. C'est difficile. Jeannot, je le connais depuis longtemps. C'est difficile de décrire avec un seul métier. Jeannot, c'est un propriétaire forestier, c'est un acériculteur, c'est un opérateur de machines, c'est un contremaître forestier, c'est un sylviculteur, c'est un acériculteur. Alors, vous savez, il est propriétaire d'un boisé de 1 200 hectares, et ainsi qu'une érablière de 38 000 entailles à Biencourt, qui est certifiée biologique depuis presque 20 ans. C'est un entrepreneur visionnaire qui a un grand souci du développement durable et de diversifier ses activités. Il a été récipiendaire aussi de nombreux prix et reconnaissances, puis malheureusement, je ne peux pas tous vous les nommer parce qu'on manquerait de temps. Alors, sans plus attendre, Jeannot, on écoute ta présentation. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. OK. Fait que, écoute, d'abord, ça me fait plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui, mettons, pour partager un peu c'est quoi ma vision par rapport à cet audacieux projet, parce que pour moi, c'est quand même un audacieux projet de rajouter 120 millions d'entailles durant les 60 prochaines années. C'est sûr qu'il faut commencer par protéger la ressource. On a beau avoir des audacieux projets comme ça, si dans 20 ans, dans 30 ans, la ressource est pratiquement inexistante ou très peu inexistante. On parle toujours, nous autres, acériculteurs, en entailles à l'hectare. Si on a des peuplements qui restent juste sans entailles à l'hectare, pour nous autres, c'est pas assez intéressant. Fait qu'écoute, ça, là, mais écoute, j'entendais les discussions un matin, je voyais que la PEPAC travaillait fort avec le ministère pour essayer de reconnaître ces projets audacieux-là. Moi, je pense que ça commence par ça, là, commencer par s'assurer que la ressource va être protégée. Après ça, ben, j'écoute, je suis très enthousiaste à l'effet de rajouter de nouvelles entailles. D'abord parce que moi, je pense qu'avec la production qu'on vient de faire aujourd'hui, cette année,
C'est sûr que on doit, moi je pense, enclencher immédiatement un chantier de remise en production de nouvelles ententes. C'est sûr que ça va amener de grands défis. C'est de grands défis. La pandémie elle-même amène beaucoup de défis parce qu'on l'a vécu dans les 15 derniers mois, mettons, à s'approvisionner de différents matériaux, soit d'équipementiers ou autres. On sait que cette pandémie-là, elle a été mondiale, fait qu'automatiquement, tout le monde a été affecté, la production de tout le monde a été affectée, fait qu'on a un peu de difficulté à s'approvisionner de certains matériaux. Par contre, j'ai pu jaser avec quelques équipementiers qui m'ont rassuré, dans le fond, en disant qu'eux autres, ils voyaient ça quand même d'un bon œil de rajouter des entailles, puis qu'ils étaient prêts à relever le défi. Mais moi, j'ai toujours en tête, mettons, ce qu'on a vécu en 2007-2008. 2009, on a manqué de sirop, puis ça, il ne faut vraiment pas que ça se reproduise. Notre dernière émission d'entaille a été en 2016. On a émis 5 millions de nouvelles entailles qui ont. Puis 5 ans après, là, moi, je pense qu'il y a encore beaucoup d'entailles qui ne se sont pas installées. Fait que c'est un contexte complètement différent. Des pandémies, il n'y en avait pas dans ce temps-là. C'est sûr que quand on parle de projets en forêt publique, on parle toujours, mettons, d'une année à se préparer, mettons, pour mettre ces futures entailles-là. Mais écoute, je trouve, oui, le projet audacieux, mais quand on regarde toute la mise en marché des dernières années, puis le développement de la mise en marché, moi, je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je ne connais pas vraiment c'est quoi le plan de la PEPAC, mettons, concernant l'ajout de nouvelles entailles. Mais moi, personnellement, j'annoncerais immédiatement pour cette année l'ajout de 10 millions d'entailles sur les 5 prochaines années. Puis, à partir de là, on va être capable de simuler un peu qu'est-ce que sera le futur. Puis dans ces 5 dernières années-là, on va voir le nombre d'entailles qui vont vraiment s'installer. Puis, on a vraiment pas le choix parce que la pire affaire qui pourrait nous arriver, ce serait de manquer de sirop. Puis la réserve est vraiment là pour stabiliser les marchés. Puis une année comme cette année, l'année passée, la réserve a stabilisé le marché. Il n'y a pas eu d'augmentation de prix à cause que, c'est-à-dire de diminution de prix à cause qu'il y avait beaucoup de sirop. Cette année, on en a produit moins. Il n'y a pas de grosse augmentation prévue non plus parce qu'on veut avoir un prix stable pour être capable d'approvisionner les transformateurs de façon régulière puis sérieuse aussi. Merci beaucoup, Jeannot. Notre 6 minutes est, comme on dit, écoulée. Alors, la prochaine panéliste, c'est Mme André Gagnon. Elle est ingénieure forestière depuis 1991. Elle a toujours travaillé en acériculture, au départ dans le Bas-Saint-Laurent, pendant à peu près 7 ans. Et par la suite, pour des raisons personnelles, elle a déménagé dans la région des Laurentides en se demandant s'il était possible de mettre en place là, un club acéricole, et c'est ce qu'elle a fait. En 2001, avec son conjoint, ils se sont achetés une érablière de 25 000 entailles, dont 6 000 entailles en terre publique. Mme Gagnon travaille beaucoup avec le ministère, les TAP GIR, les TAP de gestion intégrée des ressources naturelles et du territoire, ainsi que le développement de l'acériculture sur les terres publiques intermunicipales. Alors, Mme Gagnon, la parole est à vous. Merci beaucoup.
Moi, je vais vous parler de la mise en valeur des entailles sur les terres publiques en passant à travers les différentes étapes menant à la réalisation d'un chantier. Il faut voir ça un peu comme, comme un entonnoir. Donc, ça débute par les consultations publiques du ministère des Forêts sur le plan d'aménagement à intervalles de 2 ou 3 ans, où c'est permis au milieu de faire part de leurs préoccupations là, par rapport au plan d'aménagement. Vient par la suite les comités ciblés. Les comités ciblés, c'est une particularité des régions Lanaudière et Laurentides seulement, où on invite à ce moment-là différents groupes à venir faire part de leurs préoccupations, comme les municipalités, les villégiateurs, les associations de lacs. Un exemple de préoccupation, ça peut être un enjeu de paysage lors d'un chantier forestier. Et finalement, on a la table GIR, la table de gestion intégrée des ressources, où siègent les différents utilisateurs de la forêt publique qui sont concernés par les activités d'aménagement forestier. Et il ne faut pas oublier que les droits forestiers consentis restent prioritaires. Quand on parle de la table GIR, c'est dans la loi sur les forêts, loi sur l'aménagement durable des territoires forestiers. La table GIR a différents mandats, dont celui de fixer des objectifs locaux d'aménagement, qu'on va appeler ici les OLA. Donc, ce sont des activités qui sont priorisées et reconnues par les tables GIR et l'idée étant de diversifier les produits issus de la forêt. Ce qui donne peut-être un peu plus de poids aux objectifs locaux d'aménagement, c'est qu'ils sont inscrits au plan d'aménagement forestier, au PAFITÉ. Donc, il y a une reconnaissance à ce niveau-là. Le OLA atiricole qu'on a établi dans les Laurentides, qu'est-ce que c'est plus particulièrement? C'est le maintien d'un potentiel acéricole dans une zone de 30 hectares adjacent à une érablière sous permis et détentrice de contingent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce 30 hectares? Bien, on a des prescriptions sylvicoles et une voirie forestière là, qui est adaptée en fonction de l'acériculture. Donc, ça vient très bien répondre là, au volet court terme là, du développement d'une entreprise acéricole. Il n'y a rien comme un exemple bien pratique. Je vous parle ici du chantier Désiré. C'est un chantier là, qui est en plein projet. Vous avez en rouge les limites du chantier. Vous avez en bleu les érablières exploitées. Moi, j'ai 3 entreprises qui sont touchées par ce chantier. Vous avez en vert les OLA. Les OLA, ce sont les producteurs qui les ont identifiés. Ce n'est pas des secteurs qui sont imposés par le ministère. Et vous avez à l'extérieur des OLA, il en reste des entailles. Donc, on a identifié sur le terrain leur positionnement. Je n'ai pas fini de faire le tour, il en reste d'autres ailleurs, mais présentement, la section en rouge, c'est là où on en retrouve. Et on s'est posé la question au moment au niveau de la planification du chantier, une fois le martelage réalisé, est-ce qu'il va rester des entailles à l'extérieur des OLA, dans les zones hors OLA? Et quelle ne fut pas notre surprise de constater qu'il y avait une chute drastique des entailles. Alors, imaginez les 3 acériculteurs qui m'interpellent et qui me disent ben, « est-ce qu'on a voté pour ça? » Ce qu'il faut comprendre, il y a tout l'exercice de consultation publique qui se fait, où les acériculteurs ont pu se manifester. Ensuite, au niveau des tables GIR, des tables de concertation, où j'ai à nouveau levé le drapeau en disant, ben, il y a des entailles à proximité, elles sont importantes pour les entreprises qui sont en croissance, qui sont en pleine expansion. Faut comprendre là-dedans qu'au niveau des tables GIR, on n'a pas de pouvoir décisionnel, c'est un pouvoir d'influence. Donc, une fois que tout le monde a manifesté ses préoccupations, on ne met pas le chantier sous une cloche de verre, ça doit procéder. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'aménagiste en tienne compte dans son analyse de la situation. Donc, manifestement, on ne s'est pas rejoint à ce niveau-là, si bien que pour le futur, pour éviter que cette situation-là ne se répète, dans le courant de l'été passé et de l'automne passé, le ministère des Forêts a établi une banque d'érablières, a amené des propositions pour établir une banque d'érablières qu'on appelle le potentiel acéricole prioritaire, le PAP. Donc, pour les nouveaux permis d'érablières à des fins acéricoles, ça va être des superficies qui vont être considérées dans le plan d'aménagement et dont le potentiel va être préservé et en autant que possible d'atteindre les cimes de volume de bois en droit consenti.
Il y a des cibles régionales qui ont été fixées. Chaque région a sa cible. Pour les Laurentides, c'est 2 980 hectares. En parallèle, le comité acéricole Laurentide, qui est actif depuis plusieurs années, avait fixé une cible à 6 000 hectares. Donc, les défis pour le PAP dans les Laurentides, c'est de convenir de superficie à prioriser, d'avoir une flexibilité permettant de moduler la disponibilité des entailles, mais également d'avoir des prescriptions sylvicoles adaptées en fonction des différentes phases d'attribution du contingent dans le temps. On se comprend, on ne va pas installer 3 000 hectares d'un seul coup l'année prochaine. L'objectif de 168 millions d'entailles, c'est sûr, il y a des enjeux. Sur les terres privées, on a des propriétaires qui ont des objectifs différents. Sur les terres publiques, ça va être important d'avoir un PAP qui va être évolutif. Quand on parle de mise en valeur des érablières, on parle de, bien sûr, améliorer notre connaissance du territoire, mais aussi de développer et de bonifier l'expertise pour l'aménagement des érablières. En conclusion, moi, je me dis que c'est une superbe opportunité de développement. Il s'agit de se fixer des objectifs et les analyser quand même. À intervalle de 10 ans, ça permettra de réaligner la cible si nécessaire. Merci. Merci beaucoup, André. Franchement, 6 minutes, 2 secondes. Alors, c'est parfait. Là, j'aimerais juste dire aux participants, aux délégués qui nous écoutent que si vous avez des questions ou des commentaires, on aimerait que vous identifiez à qui s'adresse votre question lorsqu'on arrivera à cette étape-là. Alors, nous en sommes maintenant au quatrième panéliste, M. Christian Messier, qui est un ingénieur forestier, qui a fait son bac en 84, sa maîtrise en 86, toujours 1986, et il a eu son doctorat en 1991 à l'Université de Colombie-Britannique, et même il a fait un postdoc à Helsinki, en Finlande. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'érables en Finlande, là, peut-être un peu moins qu'ici. Il est professeur à l'UQAM depuis 1992 et depuis 2013, il est à l'Université du Québec en Outaouais, directeur général de l'ISFAR, qui va peut-être nous parler un petit peu tout à l'heure. M. Messier a publié 275 articles. Il a collaboré aussi à des livres, des chapitres de livres, et il est collaborateur à Radio-Canada, à l'émission « Moteur de recherche ». Alors, des fois, on a l'occasion de l'entendre à la radio. Je vous laisse la parole, M. Messier. On a une voix de l'au-delà. Oui, je vais enlever mon... Mais là, ça va mieux, hein? Oui, là, je reconnais ta voix, Christiane. Parfait. Bien, merci, M. Tremblay. Je vais juste vous dire de m'arrêter après 6 minutes parce que... OK. À l'époque de l'université, il faut les arrêter. Hein? Je trouve très intéressant l'objectif là, que vous voulez atteindre, d'augmenter le nombre d'entailles, la production de sirop d'érable. Très, très humblement, je suis un producteur. Hein? J'ai 200 entailles chez moi, petite cabane à sucre. Je fais du sirop que je refuse de vendre aux gens parce que ça me coûte tellement de temps et d'énergie que je le vende trop cher, donc je le donne. Mais ce que je voudrais parler aujourd'hui, c'est vraiment... Essaye de juste tout le temps parler devant le micro, Christian, on te perd des bouts. Parfait. Juste parler un peu de l'idée de la pérennité de l'érable à sucre et de la pérennité de l'érablière, surtout quand on parle d'un horizon là, de 60 ans dans le futur. Il faut quand même être conscient qu'avec les changements climatiques, avec les menaces, insectes, maladies de toutes sortes qui sont en augmentation... on peut s'inquiéter du futur de nos forêts puis du futur de notre érable à sucre qu'on aime bien. Donc, je voudrais vous parler un peu de ça, vous parler un peu de recherches qui se font un peu partout dans le monde qui démontrent très clairement que la meilleure arme qu'on a pour protéger une ressource, ça peut être les poissons, ça peut être les arbres, ça peut être les plantes, ça peut être les animaux, peu importe. C'est la biodiversité, puisque la biodiversité est vraiment un gage de résilience de nos écosystèmes forestiers. Donc, j'avoue que quand je me promène dans une érablière aménagée depuis longtemps et que je vois que la majorité des arbres qui sont présents dans l'érablière, c'est souvent de l'érable à sucre, ça m'inquiète parce qu'on peut commencer à parler de monoculture, parler du fait qu'on a pris une forêt naturelle qui était beaucoup plus diversifiée
Là, je vais faire une petite parenthèse. J'avais, il y a environ une quinzaine d'années, fait une recherche sur quelle est la proportion d'érables à sucre qu'on trouve dans des érablières qui ont été jamais aménagées ou qu'on pense très peu aménagées par l'humain. Et très rarement, ça dépasse 50 %. Des érablières naturelles, on trouve entre 30 et 50 % d'érables à sucre. Et après ça, c'est plein d'autres espèces compagnes qui ont un rôle très important pour maintenir la santé et la résilience de nos écosystèmes. Et je vais vous donner un exemple. Les recherches montrent, par exemple, que plus vous avez une diversité d'espèces d'arbres et de plantes dans votre forêt, plus vous avez une diversité de micro-organismes d'insectes qui risquent de venir contrôler un insecte ou une maladie qui pourrait venir affecter votre érablière. Donc, cette diversité-là a un rôle très important. En plus, on sait, et ça, les recherches le montrent clairement, que la compétition entre des espèces d'arbres différentes est beaucoup moindre qu'entre deux individus de la même espèce. Pourquoi? Parce que souvent, l'enracinement n'est pas à la même profondeur, les besoins en eau, en lumière sont différents. Donc, quand vous avez différentes espèces dans une forêt, des espèces d'arbres, vous avez moins de compétition et les érables à sucre qui sont là vont être souvent plus vigoureux et mieux se développer. Donc, ça, c'est très, très important. J'ai regardé un peu là, ce qui est la promotion qu'on fait là, au niveau de la CPTAQ, par exemple, au moins 10 % d'espèces compagnes. Pour moi, ça devrait être un minimum absolu. On devrait essayer d'augmenter cette proportion-là pour avoir des espèces compagnes, mais pas seulement quelques espèces compagnes, le maximum de diversité d'espèces compagnes pour s'assurer que si, par malheur, il y a des perturbations dans notre forêt, on va avoir des espèces d'arbres qui vont pouvoir venir prendre la place. Je crois qu'il me reste combien de minutes? Mais je m'amuse. À peu près deux minutes et demie. Je me suis amusé avec mes étudiants à faire des simulations pour simuler différents types de perturbations possibles dans le futur, climatique, insectes, maladies, sur le futur de nos érablières. Et vous savez tous, vous avez tous entendu parler du longicorne asiatique qui est présent encore aux États-Unis. Et souvent, on pense que c'est impossible de perdre complètement une espèce comme l'érable à sucre, mais je vous rappelle le châtaignier aux États-Unis qui était une espèce qui était aussi abondante que l'érable à sucre et qui est complètement disparue à cause d'un champignon. Donc, la même chose peut nous arriver. Mais toutes les simulations qu'on a faites montrent que la perte d'érable à sucre diminue lorsqu'on a une plus grande diversité, une plus grande hétérogénéité dans nos peuplements. Et donc, je vais terminer là-dessus en disant que quand on pense augmenter la proportion d'entailles, augmenter la production de sirop d'érable, oui, mais ne pas viser une monoculture d'érable à sucre et vraiment s'assurer qu'on maintienne une diversité d'espèces un peu partout dans le peuplement. Et ça, c'est, je pense, ça va être notre meilleure protection contre les menaces climatiques, mais les menaces aussi au niveau des insectes et maladies. Merci beaucoup. Merci, M. Messier. Alors, vous avez rentré dans votre temps sans problème. On va passer au dernier panéliste, M. Jean-Pierre Saussier, qui est ingénieur forestier et qui a eu son bac à Laval en 84 et une maîtrise en sciences en 92 à l'Université Laval et son doctorat d'une université française, l'École nationale de génie rural des eaux et des forêts de Nancy, en 97. Notre ami est au ministère des Forêts depuis 1985. Ça a changé de nom plusieurs fois, là, mais c'est essentiellement le même ministère. D'abord à la direction des inventaires et par après à la direction de la recherche forestière. Moi, je retiens qu'il a beaucoup contribué au développement d'un système de classification écologique du territoire forestier du Québec. Et depuis 2015, il occupe le poste de directeur de la recherche forestière. Il coordonne 35 chercheurs du ministère, principalement dans les domaines de la classification écologique du territoire, de l'écologie forestière et de la modélisation de la croissance et du rendement des forêts. Peut-être pour les agriculteurs, la direction de la recherche est une direction qui est très impliquée dans des dossiers présentement qui sont en cours, comme les normes pour l'entaillage, la période d'entaillage et de désentaillage, et aussi le dossier là, des prescriptions sylvicoles dans les érablières
pour approvisionner les usines là, qui ont des garanties d'approvisionnement. Alors, M. Saussier, la parole est à vous. Bon, bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez correctement? Non. Pas encore. Non? Ah oui, il faut que je... Ah, il y a une lueur ici. Bon. Et là, maintenant? Oui, très bien. Oui. Bon, alors, bonjour à tous. Écoutez, moi, je vais être assez bref, puisqu'on n'a que 6 minutes. Je vais commencer par vous parler d'abord de la... Oups, ça fonctionne. Ça ne change pas à l'écran. Comment se fait-il? Voilà. Non, c'est pas là. J'arrive pas à changer ma diapo. Comme ça. Je vais commencer par parler un peu de la connaissance scientifique au service de l'aménagement des érablières. Alors, notre direction de la recherche forestière, comme M. Tremblay l'a bien mentionné, là, travaille et s'intéresse aux érablières depuis longtemps, à la sylviculture des érablières, sous deux angles. D'abord, sous l'angle de la production de bois. Évidemment, c'est la direction de la recherche forestière qu'on teste différentes façons de faire la sylviculture au moyen des coupes partielles dans les érablières qui ont, grâce aux travaux là, qui avaient été faits précédemment à la direction, été introduites en remplacement des coupes à diamètre limite et des coupes totales parfois. Hein? Donc, on parle de jardinage, de coupes progressives et régulières, de régénération des essences feuillues. On travaille aussi beaucoup sur la croissance de l'érable à sucre en fonction là, de différentes caractéristiques du milieu. Et on étudie aussi l'effet des changements climatiques sur la régénération de l'érable et sa croissance. Et on sait qu'avec les changements à venir, il va y avoir un déplacement des enveloppes climatiques favorables à l'érable vers le nord, donc une extension potentielle de son aire de distribution. Évidemment, il faudra que les arbres soient capables d'occuper cet espace-là, mais on peut penser que la forêt mixte, qui contient déjà des érablières, pourrait permettre l'expansion de celle-ci. On travaille aussi, évidemment, sur la production acéricole sous différents aspects. D'abord, on a des chercheurs qui ont travaillé à faire l'analyse des impacts des changements climatiques sur la production de sirop d'érable au Québec. On travaille aussi sur l'effet de l'entaillage, sur la croissance de l'érable à sucre, sa capacité, évidemment, de cicatriser là, les blessures d'entaillage. Et plus largement, là, sur la santé et la régénération des érablières, en termes de fertilité des sols, on a beaucoup d'expérience dans le chaulage. Puis là, comme vous voyez, ces deux champs de pratique semblent s'opposer, hein, produire du bois ou produire du sirop d'érable. Mais on travaille aussi sur ce qu'on appelle l'aménagement acérico-forestier, comment on peut produire à la fois du bois et utiliser les érables là, pour les entailler. Donc, on a différents modèles là, qui sont en développement et en test, puis on a des publications là, régulières qui sont diffusées. Ensuite, évidemment, la gestion de la sériculture dans les forêts publiques, c'est quelque chose là, qui est reconnu par le ministère comme une production économiquement avantageuse. Hein? La sériculture, c'est pour ça qu'il y a eu augmentation là, des érablières en terre publique par le passé. Puis, c'est encadré par la stratégie d'aménagement durable des forêts, là, de celle de 2015, qui prévoit d'appuyer le développement de la sériculture et d'encourager le développement d'entreprises spécialisées dans la mise en valeur des produits forestiers non ligneux. Alors, la sériculture, c'est un produit forestier non ligneux important pour le ministère. Et comme Mme Gagnon l'a dit, hein, le ministère travaille dans toutes les régions à établir les potentiels acéricoles à prioriser. Alors, c'est des travaux qui sont faits régionalement et qui sont en consultation là, dans chacune des régions. Donc, on n'a pas encore une carte complète, là, une vue d'ensemble, parce qu'il faut que les travaux se fassent dans chaque région pour y arriver.
Alors, je continuerai maintenant pour parler de la table stratégique provinciale sur la sériculture qui a eu une première rencontre le 14 mai dernier. Vous en avez sans doute parlé là, ce matin. Alors ça, c'est une des initiatives du ministère là, pour s'assurer de bien discuter avec les représentants des acériculteurs. Évidemment, dans un dossier comme celui-là, il y a un arrimage gouvernemental qui est nécessaire, en plus du ministère des Forêts, Faune et Parcs et puis du MAPAC. Bien, évidemment, il y a d'autres acteurs clés là, qui sont intéressés par ça. Donc, ça demande de la consultation. Hein? Et donc, c'est comme ça que le ministère veut, j'ai un M de trop peut-être là-dedans, veut procéder hein, par étapes et en consultant les parties prenantes. Et pour terminer, ben, comme d'autres dossiers en terre publique, là, l'enjeu principal, c'est celui de la conciliation des usages. Un équilibre entre les droits déjà consentis pour la production de bois, mais aussi des productions de valeur économique importante, qui est la sériculture. Il faut trouver le moyen là, de concilier ces deux usages. Alors, sur ce, je vous dis merci. Merci beaucoup, M. Saussier. Alors, donc, on a complété les différentes présentations, pas mal dans les temps requis. Je vous remercie beaucoup. Vous avez été très discipliné. Alors, là, il nous reste un peu moins d'une demi-heure pour échanger. Déjà, il y a des questions qui me sont arrivées, là. Donc, je vous pose les questions telles que je les reçois. Il y a M. Urbain, pour M. Messier. Alors, M. Messier, écoutez ça. Considérant les effets pervers futurs liés au changement climatique sur les arabières déjà en exploitation, qui amène des pertes dans la taille, ne devrions-nous pas protéger la ressource davantage? Pour lui, le besoin est donc plus grand. C'est une grosse question. Là. En fait, je ne dirais pas que les changements climatiques vont nécessairement toujours être dommageables par rapport à l'érable à sucre. Ça dépend où l'érable à sucre se trouve. Par exemple, plus au nord, dans des régions où le climat était un peu à limite au niveau de la croissance, peut-être que les changements climatiques vont favoriser la croissance, mais bon, il faut quand même être conscient que dans des sites un peu plus secs, le drainage est peut-être un peu plus fort, avec des sécheresses, ça va peut-être augmenter. Mais quand on parle de protection de la ressource, je ne sais pas si vous voulez dire de protéger l'érable à sucre, mais souvent, les gens, de ce que je vois en voulant dire, c'est qu'on protège l'érable à sucre et qu'on élimine toutes les autres espèces. Et ça, ce n'est pas de la protection, selon moi. C'est de l'homogénéisation d'un écosystème. Et comme je le mentionnais tantôt, ça peut avoir des effets très négatifs sur sa résilience. Donc, selon moi, la meilleure façon de se protéger contre les changements climatiques et autres menaces, c'est vraiment d'essayer de s'assurer qu'on a des arbres qui sont en santé, qui sont sur des bons sites. M. Saussier parlait aussi de la possibilité de faire peut-être la migration assistée ou même favoriser la migration naturelle des érables vers le nord. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire et commencer à promouvoir. Mais il ne faudrait pas le faire en pensant de créer des monocultures. Je pense que c'était ça mon message le plus important. Et ça va nous assurer d'avoir des écosystèmes qui sont plus résilients. Oui, très bien. Je pense qu'on a bien saisi votre message. Puis je pense que ça a changé là, dans la sériculture. Si on regarde dans les dernières années, dans les 20-25 dernières années, là, il y a eu des changements qui font que les gens ont tendance plus à garder des essences compagnes. J'ai une autre question pour M. Saussier de Mathieu Audy. Alors, j'ai été un peu long, mais je pense qu'il y a deux, trois questions. En tout cas, il y a trois points d'interrogation dans la question. Je vais commencer par le premier. Monsieur Saussier, comment justifier le changement de paradigme dans les prescriptions sylvicoles acéricoles autorisées par le ministère des Forêts, Faune et Parcs dans les dernières années? Je pense qu'il fait référence, là, parce que lui, c'est un acériculteur, je pense qu'il est justement au chantier désiré que Mme Gagnon parlait tantôt. Et puis, on a vu un peu là, qu'avec la nouvelle façon d'aménager la forêt, qu'on appelle la coupe, la jardinage avec un diamètre de maturité financière, bien, c'est dans ce sens-là. Il veut essayer de comprendre un peu pourquoi le ministère s'en va là-dedans. Et puis, il parle du taux de prélèvement qui est passé de 25 à 35-40 %.
Puis en ciblant davantage les érables à sucre en bonne santé. Alors, je vous laisse répondre à ça. D'abord, on est en plein dans le conflit d'usage dont je parlais là, avec une question comme celle-là. Quand des prescriptions sont faites dans le but de faire la production de bois d'essence désirée par les industriels qui utilisent du feuillu, bien, ils ciblent principalement l'érable à sucre, le bouleau jaune, le chêne, hein, et c'est ça leurs espèces là, principales qui sont recherchées. Donc, c'est sûr que le marquage des arbres dans les coupes partielles va viser principalement ces essences-là, mais on a un souci de conserver une composition hein, qui va permettre de produire l'érable, le bouleau jaune et les autres essences désirées dans le futur aussi. Quant à la notion de diamètre de maturité financière, ça a été introduit ça, en 2007 après des analyses qui ont démontré que rendu un certain diamètre pour la production de bois, les arbres perdent de la valeur. Alors, en tant que bon gestionnaire de la ressource qui appartient à l'ensemble de la société, bien, on n'a pas d'autre choix que de se dire on va conserver les arbres qui vont continuer à prendre de la valeur. Ça, c'est généralement les arbres plus jeunes, de plus petit diamètre. Puis, on va récolter en priorité ceux qui ont atteint leur maturité ou qui ont dépassé leur maturité puis qui vont perdre de la valeur. Ces arbres-là, vont laisser de la place en créant des ouvertures pour régénérer la forêt. Alors, c'est sûr que tout de suite après une coupe qui est faite avec ces principes-là, si on regarde ça avec l'œil d'un acériculteur, bien, on a moins de gros diamètres qui sont les arbres intéressants là, pour l'acériculteur. Par contre, on s'est assuré de faire la promotion puis de donner de l'espace aux jeunes érables à sucre qui vont en profiter, qui vont combler, développer leur cime, augmenter leur croissance. Puis, vous allez avoir dans une vingtaine d'années, c'est 25 ans, ce qui est prévu, une forêt rajeunie, mais en santé, qui va avoir retrouvé une surface derrière là, de 24 mètres carrés à l'hectare et plus, puis assez d'entaille pour éventuellement qu'on pense à l'entailler. Mais il faut donner le temps qui est prévu. Ceci dit, il y a des mesures d'harmonisation quand on est à proximité des érablières là, que les régions mettent de l'avant pour diminuer un petit peu le prélèvement. Alors, dans le chantier désiré, moi, je ne suis pas au courant exactement de ce chantier-là, là, mais c'est, je crois, une des choses qui a été faite de changer la prescription sylvicole pour permettre éventuellement d'étendre les érablières là, sur terre publique. Là-dessus, monsieur Audi dit que ça va favoriser le height parce qu'il y a des ouvertures importantes. Et pour lui, là, il n'y aura pas de potentiel là avant au moins 50 ans. J'ai vu, Christian Bessier, est-ce que vous avez levé la main? Je pourrais peut-être vous permettre d'intervenir à ce moment-ci. En fait, oui, je voulais juste dire que moi, je ne suis pas contre l'idée de faire des coupes plus importantes parce que le hêtre et l'érable à sucre sont habituellement favorisés quand il y a des petites ouvertures ou pas beaucoup d'ouvertures. Et comme je mentionnais, il faut diversifier nos forêts et en créant des ouvertures un peu plus importantes, on va peut-être avoir des espèces plus mi-tolérante à l'ombre, bouleau jaune, tilleul et autres espèces. Et ça, je pense que c'est important. Si on faisait seulement des coupes à 25 % là, comme mon maximum de récolte, bien, on va favoriser seulement des espèces tolérantes à l'ombre. Et je pense que ça va être au détriment de la santé de nos érablières. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir à ça? Ça va aller? Dans les autres, Madame Gagnon? Non? Bon, j'ai une autre question d'abord. Monsieur Urbain pour M. Saussier. Alors, quelle est la valeur économique pour la coupe forestière que vous avez parlé tantôt, parce qu'il y a assez rajouté suite à votre commentaire, considérant les nombreuses subventions que les bénéficiaires de garanties d'approvisionnement reçoivent pour faire la récolte? Écoutez, là, moi, je suis plus un spécialiste de la recherche que d'un spécialiste de l'économique et des subsides qui peuvent être versés. Hein? Ceci dit, avant de verser un subside, le ministère analyse toujours, hein, et c'est le bureau de mise en marché des bois qui fait ça, quel est le bénéfice pour la société? Donc, on fait des analyses financières, donc le point de vue du producteur de bois, hein, donc de l'entreprise, mais aussi des analyses économiques. Donc, avant de verser un subside, il y a toujours une évaluation
du bénéfice pour l'ensemble de la société. Alors, c'est ça qui guide le ministère. Alors, si on favorise certains types d'aménagement, comme gestionnaire des forêts publiques, on peut se permettre de faire un investissement dans la forêt pour la ramener, avoir une forêt qui perdure, en assurer la durabilité avec les essences désirées. Mais ça, c'est ce que le ministère fait quand les gens perçoivent qu'ils aident. Hein, ce n'est pas l'industrie, on aide à la remise en production de la forêt qui nous appartient à tous. Une autre question pour vous, M. Saussier, de Michael Gagné. Il s'informe à savoir s'il y a des projets de recherche qui sont spécifiques à la sériculture qui sont prévus à la direction de la recherche forestière. C'est-à-dire que oui, on a des projets de recherche. On a étudié la coulée dans plusieurs régions en fonction évidemment là, du climat et dans nos dispositifs qui servent à la sériculture forestière. Ensuite de ça, on subventionne aussi par des contrats de recherche externes des recherches qui sont faites dans les universités, dont certaines touchent la pérennité de l'érable, le complexe, la génomique de l'érable à sucre en lien avec la livrée des forêts, puis l'adaptation hein, entre l'hôte et l'espèce qui la mange. Et puis ça, c'est Alice Faure, hein, monsieur Messier pourra en témoigner. Et puis, on a d'autres recherches qui sont faites à l'extérieur. Donc, ceci dit, chaque fois que le ministère décide de faire un appel à projet de recherche, on a une liste de besoins de recherche qui est publiée, elle est publique là, sur le site Internet du ministère, puis on accueille les propositions. OK, donc, vous avez des projets de recherche qui touchent la sériculture. Oui. Une question pour M. Messier de François Bello. Vous avez parlé, je ne sais pas si c'est vous, il y a quelqu'un qui a parlé de chaulage. Faut-il chauler toutes les terres à bois? On vous demande ça. Avez-vous une opinion sur le chaulage, M. Messier? Bien, moi, je ne suis pas un spécialiste du chaulage. Je sais qu'il y a des chercheurs à la DRF qui ont beaucoup étudié le chaulage. Je pense que le chaulage, de ce que j'ai vu, peut améliorer les conditions dans les sites les plus acides, les plus pauvres. Et sur des sites qui sont plus riches, on ne devrait probablement pas chauler, mais comme je ne suis pas un spécialiste, je ne vais pas en dire plus que ça. C'est bon. Monsieur, oui, ben, je vois des mains levées. Là. On pourrait peut-être donner la parole à M. Beaulieu, vu que vous n'avez pas pu intervenir encore. Après ça, M. Saussier. Oui, dans mon micro. OK. Bon, écoute, question de chaulage, mais je pense que ça commence par une analyse de sol. Il faut savoir, mettons, c'est quoi que ton sol a besoin. Puis à partir de là, ben, tu décides si c'est un chaulage ou un ajout de potassium, n'importe quoi. Mais ce n'est pas systématique là, qu'il faut chauler toutes les arêtes d'hier au Québec. OK. Monsieur Saussier, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, bien, M. Beaulieu a déjà très bien répondu, mais j'ajouterais que les chercheurs de la Direction de la recherche forestière ont développé avec le Centre ACER là, le guide sur le diagnostic du sol des érablières qui détermine après ça le besoin de chaulage. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de façon automatique. Il faut un diagnostic. De la même façon que quand vous allez voir le médecin, il va analyser, il va vous faire des prises de sang, tout ça, puis il va déterminer quel traitement vous avez besoin. On doit faire la même chose avec le sol de nos érablières. Pour s'assurer que, d'abord, on ne dépense pas des sous en chaulage quand ce n'est pas utile, hein, puis on ne débalance pas un sol qui est en bonne santé. Donc, on intervient seulement quand on veut corriger quelque chose. Et nos chercheurs ont démontré qu'une seule application de chaux, quand elle est nécessaire, a un effet sur plus de 25 ans. Donc, on suit maintenant. Puis, on voit encore les différences entre le chaulage et pas le chaulage. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très utile là, pour les érablières en production sericole. Okay. Ce que je comprends, c'est utile et c'est quand même bien documenté. J'ai une question pour M. Turenne. M. Turenne, la question est de Maryse Tardif, je ne sais trop. La plupart des gens trouvent que les produits de l'érable, c'est une gâterie. Vous en avez parlé un peu tantôt. Que c'est dispendieux. Avez-vous une idée comment modifier cette mentalité? Parce qu'en 2020, les gens n'ont pas dépensé ailleurs, donc ils se sont gâtés. Vous avez parlé que ça avait monté, là, la consommation, les exportations et tout ça. Donc, voilà.
Ton micro est pour ouvert. Monsieur Turenne, son micro. Oui, voilà. Non, vous m'avez démuté. Oui, effectivement, c'est perçu comme une gâterie. Je ne dirais pas que certaines personnes pensent à une gâterie, mais nous, ce qu'on observe, c'est que de plus en plus de gens incluent l'érable dans leur panier d'épicerie comme un aliment régulier. Là, c'est ce qu'on vise. D'ailleurs, il y a un sondage qui a été fait par la Fédération sur les principaux marchés d'exportation. Et ce que ça révélait de mémoire, c'est environ 24 % des consommateurs en Allemagne, ça varie entre 24 et 28 % sur les marchés prioritaires, utilisent de façon régulière de l'érable. Donc, pas comme une gâterie, mais comme plutôt un sucre qui est une partie prenante de l'alimentation. Alors, comment faire pour augmenter cette proportion de 24 à 30, 50 % c'est de continuer de le rendre disponible dans les endroits où les gens s'approvisionnent à des prix qui sont compétitifs, puis avec une garantie d'approvisionnement. Donc, c'est de la disponibilité beaucoup qui fait la différence. Puis ça, c'est le rôle des transformateurs. OK, merci. Regardez, j'ai une question pour Mme Gagnon. Après ça, on a des gens qui ont levé la main. On va leur passer la parole. C'est de Normand Urbain. Alors, selon vos observations, Mme Gagnon, les coupes qui sont autorisées, essence, restriction, pourcentage, est-ce que c'est respecté dans les Laurentides, selon votre expérience? Est-ce qu'on parle des terres privées, des terres publiques? Moi, je ne le sais pas clair, mais d'après moi, c'est des terres publiques. Au niveau des terres publiques, on est tous dans un exercice là, de travail au niveau de justement d'identifier les priorités de récolte, d'identifier les intensités de récolte également. Si on réussit à s'entendre sur ce point-là, on va avoir quelque chose d'intéressant pour les érablières. Tout le volet des essences compagnes, on parle de peut-être un minimum de 10 %. Moi, j'irais plus à quelque chose qui tournerait autour de 15 à 20 %. On n'a pas parlé, brièvement, on l'a abordé un peu, mais tous les effets climatiques, là, les périodes de sécheresse qu'on connaît depuis quelques années, là, on manque de connaissances à ce niveau-là. Comment la forêt peut devenir résiliente? Oui, les essences compagnes vont sûrement y contribuer, mais on a des grands défis. Je vais parler pour les Laurentides. Le hêtre est sévèrement atteint par la maladie corticale. On a des grandes surfaces d'érablières qui sont envahies par le hêtre. Donc, si le hêtre est appelé à disparaître, le frêne, la même chose. Là, nos essences compagnes, ça baisse. Il y a du bouleau jaune, il y a du tilleul, mais ça se réduit. On manque de connaissances à ce niveau-là. Là, comment améliorer la résilience de nos forêts à ce niveau-là? Je ne sais pas si ça répond à la question de Normand. Là, on peut poursuivre. OK, merci. Avant de passer la parole aux gens à main levée, il y avait une autre question pour M. Saussier de Simon Rose. C'est une question qui touche le nombre de tiges d'érable à l'hectare. Donc, à la lumière des commentaires qu'on a entendus, on l'a entendu par plusieurs personnes concernant les essences compagnes, parce qu'à l'heure actuelle, le ministère considère que ça prend au moins 150 entailles avant d'avoir un potentiel acéricole sur les terres publiques. Lui, il se pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas baisser ça à 125? Puis à ce moment-là, on pourrait tolérer avoir plus d'essence compagne. Et il demande aussi pourquoi on exclut les 20 cm. La nouvelle norme va être à 24. Et elle était à 20, elle était très permissive. Les producteurs acéricoles recommandent 22. Alors, il aimerait avoir un peu votre opinion là-dessus. Donc, il y a deux volets à la question. Sur le premier volet du nombre de tiges et d'entailles à l'hectare, là, malheureusement, moi, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste du nombre d'entailles à l'hectare. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on aménage une forêt en coupe partielle, on favorise les arbres qui ont 20, 22, 24 cm pour qu'ils se développent plus rapidement et qu'ils deviennent des arbres intéressants pour devenir à entailler. Quant au diamètre d'entaillage, là, effectivement, vous l'avez dit, le Québec est un des endroits où on accepte d'entailler des érables. On acceptait jusqu'à présent là, d'entailler des érables à partir du plus petit diamètre. Et puis, il y a des études qui ont démontré qu'on a de la difficulté à faire cicatriser les érables pour ajouter suffisamment de bois quand on entaille pendant une très longue période.
Hein? On fait le tour de l'arbre pour rapidement, pour être capable d'entailler dans quelque chose qui va permettre une bonne coulée. Donc, on ne fait peut-être pas un aménagement ou un entaillage extrêmement durable. Donc, c'est pour ça que le ministère a monté sa norme, et puis il l'a annoncé longtemps d'avance à 24 cm à partir de 2023. Ceci dit, les études de nos chercheurs sur la cicatrisation démontrent que c'était une bonne décision. Hein? Et puis, il y aura d'autres études à faire sur les différents patrons d'entaillage qu'on pourrait prendre pour maximiser l'utilisation là, de l'ensemble de l'érable là, dans sa hauteur comme dans son pourtour pour éviter d'entailler dans du bois qui n'a pas eu le temps de se reconstituer puis comme ça, conserver une bonne coulée. OK, merci. On pourrait passer peut-être à des personnes qui ont levé la main qui pourraient poser des questions. Alors, je ne sais pas qui l'a levé en premier. Je vous laisse aller. Ça va être qui? Oui, ça va être Roberto Landry. Monsieur Landry du Bas-Saint-Laurent. Oui, bonjour à vous tous. Ben, félicitations pour tous les panélistes qui ont fait l'intervention. C'était très intéressant. Moi, je suis producteur de céréales de 61 000 hectares bien court, plus précisément dans le Témiscouata. Et je suis producteur forestier. J'ai depuis l'âge de 15 ans que je fais ça. J'ai une formation en classification de bois d'œuvre, limitage des bois et mesurage des bois du cégep de Sainte-Foy-Cerfaux. Moi, ma première, ce serait plus par M. Mercier. C'est juste un point d'éclaircissement. Je suis d'accord avec vous, M. Mercier, que les essences compagnes, on doit en avoir le plus possible dans nos érablières. Nous aussi, dans notre secteur, c'est plus des érablières à bouleau jaune. On n'a pas de tilleul, on n'a pas de hêtre, on n'a pas de pruche, on n'a pas puis de l'épinette puis du sapin baumier. Je suis d'accord avec vous, mais vous, ça veut dire d'information. Vous parliez d'autour de 10 %. Moi, je suis bio depuis 1900 à 2002 avec Bio-Écossaire Canada. Et la norme, la norme minimale, c'est 15 % de l'essence compagne qu'on doit avoir dans nos érablières. Ça, c'est la norme minimale. Il ne nous empêche pas d'avoir 18, 20, 25 %. Mais c'est sûr qu'un qu'il n'a pas, là, on ne peut pas en transplanter puis en réinventer. Fait que c'était juste à titre d'information, mais très beau, très belle présentation, mon cher monsieur. Autre question, ce sera M. Turan. Il a parlé beaucoup de l'augmentation, du développement de marché et tout ça. Félicitations pour qu'est-ce que vous faites présentement en tant que transformateur, tout ça. Mais moi, mon questionnement, je n'ai parlé un peu ce matin. Qu'est-ce qui arriverait que demain matin, qu'on manquerait de sirop dans notre réserve stratégique au niveau provincial, à notre PEPAC, au niveau de la situation des mises en marché que vous avez mis tant d'efforts dans les 8-10 dernières années? Est-ce que ce serait de quoi que ce serait dans le temps que ce serait facile à rebâtir ou que ce serait une catastrophe épouvantable puis qu'on perdrait des marchés puis qu'on en reviendrait comme dans les années 2000 où est-ce qu'on en retomberait à 60 millions de livres de sirop au lieu de 145? Je pense que ça serait extrêmement néfaste parce que comment ça fonctionne chez les supermarchés, c'est qu'on a des listings. Tu sais, si vous avez ils fonctionnent avec des planogrammes. Eux autres, ils ont 4 pieds de planogramme, 8 pieds de planogramme. Puis là, ils disent, ben qu'est-ce que je mets dans mon 4 pieds pour maximiser mes ventes puis les revenus puis la diversité pour le consommateur. Donc, c'est extrêmement difficile. Ça peut prendre des fois plusieurs années avant de convaincre un détaillant, surtout à l'étranger, d'accorder un espace au sirop d'érable. Donc, quand on a notre espace tablette, il faut qu'elle reste pleine. Si elle vient vide, ils ne vont pas le laisser vide. Des tablettes vides à l'épicerie, on ne voit jamais ça. Donc, si il n'y a pas de sirop d'érable parce qu'il y a une pénurie, ils vont mettre du miel, ils vont mettre des confitures, ils vont mettre un autre produit substitut. Puis, si le produit qui prend notre place performe bien, ben 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, si on vient, hey, là, maintenant, j'ai du sirop, ça ne veut pas dire que le détaillant va être prêt à nous redonner l'espace tablette. Donc, c'est risqué. On l'a vécu dans les années en 2008-2009, quand il y avait eu la réserve a tombé à zéro, il y a eu une baisse de marché. Puis, donc, c'est important de toujours s'assurer de garder une réserve stratégique. À cet effet-là, il y avait une question de M. Bryson qui ressemble beaucoup à ce que Roberto vient de mentionner. D'après vous, combien de livres de sirop qu'on doit avoir dans la banque? C'est M. Bryson qui demande ça. C'est une question embêtante, n'est-ce pas? Oui, je dirais au moins, tu sais, je pense qu'on avait établi ça à un an de stock. Un an de stock? Okay. Peut-être, tu sais, si on regarde. Il faut aussi, en tant que fédération, regarder aussi ce qui se passe sur les autres, parce qu'il y a de la production aux États-Unis qui est en croissance. Là, cette année, il y a une petite récolte.
ils vont être sold out, les Américains, cette année-là. Donc, attendez-vous que l'année prochaine, ils vont entailler agressivement. Donc, ce que j'observe, les marchés croissent. La croissance de l'entaillage ne fait pas au même rythme que les marchés, bien, la part de marché relative du Québec va diminuer. Ce serait dommage parce que le sirop d'érable, c'est, à ma connaissance, la seule culture pour laquelle le Québec est dominant. C'est la seule culture où on est. Donc, il faut maintenir cette position dominante-là. Il ne faut pas inonder le marché avec trop de sirop, mais garder un équilibre et être sûr de ne pas en manquer. Donc, j'aurai au moins un an de stock. Bien. Merci, M. Turenne. Je pense qu'il y a le fromage en crotte aussi qui est. C'est pour ça qu'on exporte beaucoup. Hein. C'est moi, je viens de stagner. Non, je ne pense pas qu'on l'exporte. M. Jonathan Blais. Deux secondes, non? Ah, M. Messier, oui. Oui, bien, juste rectifier. Je n'ai pas mentionné que je suggérais 10 % d'espèces compactes. Je dirais que ça devait être un minimum absolu. On devrait en avoir plus. Vous avez entièrement raison. Puis je voulais peut-être répondre à votre question, puis celle de Mme Gagnon aussi. Le fait qu'on perd de plus en plus d'espèces d'arbres à cause des insectes et maladies, je pense que moi, ça m'inquiète énormément et j'ai même vu des prédictions là, où ça va aller en augmentation. Et je pense qu'il faudrait commencer à peut-être même faire des plantations d'espèces et faire ce qu'on appelle la migration, là, de prendre des espèces du sud et les planter plus au nord pour surtout remplacer des espèces qui étaient présentes. Et je pense que l'objectif là, de M. Trudeau de planter 2 milliards d'arbres, il y a peut-être un aspect intéressant ici d'augmenter la résilience via la plantation de ces espèces-là, en tout cas. Bien, cet effet-là, il y a quelqu'un qui posait justement la question, quelles essences qu'on devrait reboiser dans le futur? Parce que le programme de M. Trudeau, on entend parler beaucoup de résineux pour les gaz à effet de serre, mais on sait que le feuillu, je vous ai entendu l'autre fois à la radio parler que le feuillu était aussi bon que le résineux, là. Alors, avez-vous des suggestions? C'est Mathieu Audy qui pose la question. Vous avez combien d'heures pour m'écouter, là? Mais bon, c'est une grosse question. Là, mais... Non, mais je te donne encore une minute, je pense. Non, mais en fait, cette question-là est importante. Je vais vous rassurer, là, je viens juste d'être nommé sur un comité pour conseiller la plantation de ces 2 milliards d'arbres-là. Ah, bonne nouvelle. Je vais m'opposer fortement à ce qu'on fasse des monocultures. On continue à planter comme on plantait. Il faut diversifier le plus possible. Il y a des approches qui existent qui visent à regarder c'est quoi les caractéristiques biologiques des espèces, c'est quoi leur tolérance à différentes menaces et justement d'essayer de diversifier les espèces pour avoir la plus grande diversité de caractéristiques biologiques possible. Il existe des guides, il existe des informations. On est en train de les diffuser le plus possible et on va avoir de l'information là-dessus. Et cette question-là est très pertinente. Il faut diversifier, mais pas n'importe comment. Je fais souvent l'analogie avec un portefeuille économique pour votre retraite. Vous pouvez diversifier votre portefeuille, mais il ne faut pas tout investir dans le même domaine. Il faut investir dans des domaines complètement différents pour s'assurer d'avoir une bonne stabilité de revenus de retraite. Mais c'est exactement la même chose chez nos arbres. Il ne faut pas planter seulement les mêmes types d'espèces d'arbres. Je vous arrête parce que j'ai beaucoup de monde qui pose des questions. Il y avait M. Blais en main levée. Rapidement, M. Blais. Oui, est-ce que vous m'entendez? M. Blais de l'Estrie. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, j'ai deux questions. La première pour M. Turenne et la seconde pour M. Saussier. Moi, M. Turenne, je suis très enthousiaste quant au développement des marchés. Mais ce qui me choque encore en tant que consommateur assidu, même si j'en produis, j'en achète beaucoup en épicerie pour comparer à ce que je fais. Puis félicitations, il y a une grande amélioration. Mais je vais utiliser l'anglicisme. Au niveau du facing en épicerie, je trouve que ça fait pitié pas à peu près. T'sais, j'étais au Walmart la semaine passée. Il y avait des. J'ai dû me pencher au sol pour aller chercher du sirop d'érable. Puis en entrée de rangée, il y avait une belle étagère de Aunt Jenima, un produit substitut. Je me disais, baptême, je trouvais que notre produit comparativement à du Aunt Jenima. C'est bon, monsieur Blais, je vous arrête. On a compris votre question, monsieur Turenne, s'il vous plaît. Oui, effectivement. Ben, Aunt Jemima, 1,99 Walmart, c'est c'est une bannière discount. Donc, ils offrent les deux. Mais je vous dirais, Walmart offre du sirop d'érable à la grandeur du pays. Donc, une canne de sirop d'érable, je peux vous le confirmer. Là. Donc, c'est quand même intéressant. C'est un combat. Comment convaincre
le détaillant de donner plus d'espace tablette, c'est un combat de tous les jours. Il n'y a pas de recette magique parce que Aunt Jemima, c'est des multinationales, puis ils ont des gros budgets marketing, ils payent pour du référencement. Les transformateurs, on travaille des petites marges. Hein. Vous savez, on fait des gros volumes, mais c'est des très petites marges. Quand on vend du Aunt Jemima, on peut mettre 25, 30, 40 % de mise en marché. Il n'y a pas de problème. C'est rien que du sucre là-dedans. Mais du sirop d'érable, vous savez, c'est quoi le prix? On transforme ça de façon la plus efficace possible. Mais après, notre marge promotionnelle pour faire des gros rabais puis supporter des mises en marché est limitée. Fait que ça, c'est un peu un frein. Mais par contre, on vend pour un ingrédient qui est pur, qui est naturel. Puis, c'est là-dessus comptable pour avoir des... Il y a quand même des beaux étalages. Des fois, chez Walmart, On en voit ailleurs des très beaux. Il y a un autre... Monsieur Blais, là, vous aviez une deuxième question. Oui, j'avais une question pour Monsieur Saucy. Monsieur Saucy, tout à l'heure, vous mentionniez que vous étiez, dans le fond, vous voulez être de bons gestionnaires, dans le fond, pour le bien collectif. Moi, je n'ai pas toutes les qualifications que vous avez, sauf que je suis forestier de quatrième génération, de mon grand-père à mon arrière-grand-père. On m'a tout le temps enseigné de jamais travailler contre la nature. Mon père, on arrivait sur un parterre forestier, on ne travaille pas contre la nature. Moi, j'ai visité dernièrement avec M. Tremblay en Estrie des peuplements d'érables qui vont partir pour l'industrie pour favoriser le bouleau jaune qui, sur le site, était dépérissant et très malade. Je me disais, je me questionne parfois si votre ministère écoute vraiment la collectivité à qui appartient la forêt. On va laisser répondre M. Saucier. C'est un cas particulier quand même, là. Monsieur Saucier? Mais je suis d'accord avec vous, ayant fait une bonne partie de ma carrière en classification écologique, à déterminer quelle était la dynamique naturelle des forêts, que c'est la première inspiration du sylviculteur que de connaître la dynamique naturelle, puis là-dedans, de voir les opportunités en fonction des essences qui sont plus recherchées et moins recherchées. Puis ce que vous me dites m'étonne énormément, parce qu'en ce moment, le marché de l'érable à sucre est meilleur que le marché du bouleau jaune. Alors, je ne comprends pas ce que vous me dites, là, puis c'est un cas particulier dont je ne suis pas au courant. Bien, je vous appellerai pour vous le compter. Madame Gagnon veut parler parce qu'elle m'a envoyé un message. Alors, posez donc votre question, Madame Gagnon. Je ne sais pas si j'ai le temps encore, là. Ça doit, hein? Ça sera la dernière. Il va y avoir beaucoup de monde frustré parce que ça déroule. Je pense qu'on n'a pas eu assez de temps pour notre panel, hein? Ma question Madame Gagnon. À M. Saucier et à M. Beaulieu. Est-ce que le jardinage à sirocco forestier a encore sa place? On parle d'un prélèvement de 20 à 25 % pour le sirocco forestier et ça sert souvent à faire de l'assainissement versus des coupes de jardinage avec un 30-35 % et parfois un peu plus de diamètre optimum de récolte. On comprendra que l'impact va être très différent pour le sériculteur. M. Beaulieu, allez-y. Bien, écoute, c'est sûr que les interventions, mettons, pour l'industrie forestière est toujours une intervention beaucoup plus sévère. L'intervention, en tout cas, nous autres, ici, chez nous, on prône l'intervention plus légère, rotation plus courte un peu, intervention plus légère, puis essayer de garder le plus de biodiversité possible. Écoute, on a des beaux exemples de ça ici chez nous. Vous avez une forêt privée, hein? Votre érablière est en forêt privée ou en forêt publique? En forêt privée, puis pour avoir été un peu en contact avec la forêt publique, là, je peux te dire que c'est comme deux planètes, là, la forêt privée puis la forêt publique. Tu sais, l'aménagement en forêt privée puis l'aménagement en forêt publique, là, c'est comme si on est sur deux planètes complètement différentes. Bon, il va falloir faire un autre panel là, parce que c'est très intéressant. Monsieur Saucier, je ne sais pas si on a encore un peu de temps, oui. Ah oui, je vois des beaux sourires sous les masques. Bon, ben, merci Madame Gagnon de la question. Écoutez, quand on fait une récolte en vue de produire du bois pour un industriel forestier, parce que ça met de l'argent dans l'économie, hein, toute cette transformation du bois, c'est avec ça qu'on fait les armoires de cuisine, les planchers, toutes ces choses-là. Donc, c'est quelque chose qui est en demande. Il faut s'assurer d'une rentabilité financière du chantier. Alors, vous avez parfaitement raison. Quand on fait un prélèvement moindre et qu'on fait principalement l'assainissement, la rentabilité financière du chantier est beaucoup moindre. D'accord? Et puis, des fois, elle n'est pas au rendez-vous. Donc, il faut avoir des traitements
dans le but de faire de la sériculture quand c'est ça l'objectif, puis des traitements un peu différents quand l'objectif n'est pas le même, qui est de la production de bois. Ceci dit, chaque fois qu'on fait des interventions partielles, on le fait pour régénérer l'érable à sucre, puis parmi les indicateurs qu'on utilise avant de faire la prescription sylvicole, c'est la quantité de gaules puis de perches qui vont pouvoir combler, les trouées qui vont être créées par la récolte. Donc, on s'assure de la durabilité, puis ramener l'érable à sucre. Puis tantôt, quelqu'un posait des questions à propos du hêtre. Bien, effectivement, on a une problématique de hêtre, mais c'est pas... La récolte est une des options. Il y a aussi des fois du scarifiage sous couvert qui permet là, de faire le contrôle du hêtre et permettre de favoriser la régénération de l'érable à sucre. Donc, effectivement, c'est deux objectifs différents. Puis on est, comme je le disais, là, dans une problématique de conciliation des usages et probablement qu'il faudra mettre des superficies pour certains usages et des superficies pour d'autres usages, mais en s'assurant que les usages actuels pour la production industrielle de bois d'œuvre ne nuisent pas à très long terme aux objectifs de produire autre chose. Hein? Puis on revient à la résilience dont parlait M. Messier. Vous avez un objectif, la PPAQ, dans 80 ans, d'avoir plus d'entailles. Bien, il y a des endroits qui ont été dans lesquels il y a eu des interventions récentes pour la production de bois et dans lesquels il y en aura qui vont redevenir intéressants pour les agriculteurs avant cet horizon de 80 ans. Vous avez raison, on veut absolument s'assurer de ça. Moi, notre temps est expiré. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vais passer la parole à M. Simon Trépanier qui va faire une rapide synthèse de nos échanges. J'ai beaucoup apprécié, j'ai appris des choses avec vous. Merci. Merci. Merci, Jacques, pour cette animation-là. Écoutez, moi, d'entrée de jeu, là, je suis content. Je suis content pour un premier objectif. Vous savez, quand on s'est réunis à l'interne au PPAQ, il y a de ça quelques mois, qu'on dit « rêvons pour 2080 », on a lancé le chiffre de 120 millions d'entailles supplémentaires. Bien, moi, je m'attendais aujourd'hui peut-être à recevoir des volets de bois vert de certains qui nous étaient pour nous dire que ce n'était pas réaliste, que ce n'était pas possible, que c'était… Ben non, pas du tout. Il n'y a personne qui a dit que c'était réaliste, au contraire. Tous les gens autour de la table ont dit « oui, en quelque part, même si ce n'était pas clair comme ça, mais… » Vous avez tous dit, bien, on pourrait s'y rendre avec des conditions, par contre. Il faut mettre des conditions gagnantes. Donc, puis là, je vais relater, en fait, point par point, un peu ce que vous avez soulevé. Donc, je commencerai forcément dans l'ordre avec Louis Turenne de chez Impotree, qui parle de croissance de la filière. En fait, il parle de 7 % de croissance soutenue, puis on a compris dans son affirmation que c'est possible de penser à une belle croissance. Alors, je ne sais peut-être pas des croissances aussi folles que l'année passée, une croissance un peu exceptionnelle à cause de la COVID, là, mais avec la stabilité de prix, avec la réserve stratégique qui joue son rôle, puis avec un développement durable qui est un enjeu important là, de vente pour les consommateurs, bien, c'est réaliste de penser qu'on va pouvoir se rendre à cet endroit-là. Du côté de Jeannot Beaulieu, au niveau de producteur, moi, je comprends que les producteurs, tout comme lui, sont prêts à ajouter des entailles, même puis il est même allé jusqu'à dire qu'il faudrait qu'on en fasse des annonces à court terme. Donc là-dessus, on a des savants calculs avec nos actuaires qui sont en marche pour pouvoir prendre des décisions réfléchies au cours des prochaines semaines à toute répartie. En attendant, il faut vraiment chercher, selon Jeannot, à protéger la ressource. Parce qu'on ne le dira jamais assez, si ce n'est pas nous autres qui ajoutons ces entailles-là, il y en a d'autres qui vont les ajouter, pas tellement loin. D'ailleurs, c'était mentionné comme quoi avec la petite école cette année, ça pourrait stimuler l'ajout d'entailles chez nos voisins. Donc, il ne faut pas manquer le bateau à cet effet-là. Donc, Mme Gagnon nous a parlé par la suite de l'importance de la planification, particulièrement en terre publique, hein, parce que quand on est en terre privée, c'est assez simple. On a un boisé, on en est propriétaire ou à toute fin partie locataire. On ajoute ou on n'ajoute pas les entailles, mais quand on commence à tomber dans la complexité des multi-usages du territoire, bien, nous avons dressé un très bon portrait de cette complexité-là. Oui, l'étape GIR, c'est une bonne table de discussion, d'échange, mais ça a quand même juste des pouvoirs d'influence, cette table-là. Donc, il faut vraiment travailler à plus haut niveau pour faire en sorte que les PAP, donc le potentiel acéricole à protéger, soient maximisés et que le ministère, forcément, fasse sa part pour intégrer ça dans sa pensée, dans sa philosophie. D'ailleurs, Christian Messier nous a dit « n'oublions pas la santé des érablières », parce qu'il y a eu un temps où les érablières étaient un peu gérées comme une production agricole traditionnelle, c'est-à-dire
on veut du maïs, on plante du maïs, on veut des petits pois, on plante des petits pois, on veut du sirop, on plante des érables. Bien, heureusement, on n'est plus là. Je pense que le monde acéricole a réfléchi, a évolué. Puis on parle de sylviculture, on parle d'espèces compagnes. Donc, il faut absolument mettre ça dans l'équation si on veut se rendre à ce qu'on veut. Par la suite, Jean-Pierre Saussier a mentionné la place de la sylviculture justement dans les priorités de l'État. Donc, je dirais que c'est écrit. Maintenant, je pense que le monde acéricole a des attentes élevées par rapport à l'écoute du MFFP puis à la place de la sylviculture. La nouvelle table qui a été mise en place il n'y a pas si longtemps, donc il y a eu une première rencontre, somme toute positive. On ose espérer qu'on pourra maintenir là, ce discours de dire que c'est une table où est-ce qu'on permet de tabler sur le futur à cet effet-là. Donc moi, ça fait un peu le bilan, le highlight de chacun des intervenants. Oui. Oh, Jeannot Beaulieu. Alors, M. Beaulieu. Bon, OK. Ben écoute, oui, là, tu m'entends-tu? Oui. Ben OK. Écoute, c'est juste comme le mot de la fin pour moi. Là, quand j'ai dit c'est un projet audacieux, oui. Mais on est habitué à ça, les producteurs acéricoles, de relever des défis audacieux comme ça. L'agence de vente en est un bel exemple. Puis, écoute, je souhaite seulement que les producteurs forestiers du Québec suivent cet exemple-là, mettons, pour pouvoir profiter du meilleur marché possible là, en des temps comme dans lesquels on vit. Fait que merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer à votre assemblée. OK. Merci. Donc, beaucoup encore. C'est à vous. Tout le monde. Qui étaient du parole, qui ont pris la peine d'utiliser leur temps cet après-midi pour parler à nos délégués et nos producteurs pour nous amener dans les prévisions qu'on s'est faites de dire, ben, regarde, en 2080, on a besoin de 120 millions d'entailles, puis je pense qu'on est capable d'y arriver, comme Simon a dit, on est capable d'y arriver si tout le monde met l'épaule à la roue. Merci tout le monde cet après-midi.